Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 20. Le 20 décembre. C'est bientôt fini les calendriers. 4, 5. Ouais. Oh, c'est triste. Hein. Mais bon, le Père Noël, ça veut dire que le Père Noël, il va bientôt arriver. J'ai un nouveau cadeau encore. Oui, son amoureux a donné le cadeau de Noël à Léane. Donc en fait, mais elle va le mettre sous le sapin, elle attendra le 25 décembre, comme tout le monde. Alors voilà, le 20 décembre, les filles ont eu dans leur calendrier de la résine sur le thème de l'été. Alors j'espère que ça vous a plu, toutes ces petites résines là. En tout cas, c'est tout des moules de chez Artemio, n'importe quoi, de chez Prima que j'utilise pour faire mes moules en résine. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ce que vous avez eu dans vos calendriers de l'avant. Oui. Bah oui. Alors, c'est parti pour Miss Léane, ouverture calendrier. On va commencer par magasin. Normal. 20. Nous avons un 29, comme tous les jours, sauf le 6 et le 24. On va ouvrir Maëva. En plus, aujourd'hui, le 20, vous savez quoi, j'ai dit, oh, on fera les spritz et tout, mercredi. Mais non, on a récupéré Léane au kebab. Hein, et après, mon mari m'a dit, on part en Belgique, on va chercher ton cadeau de Noël. Donc voilà, donc là j'ai mes cadeaux de Noël, donc je suis pas heureuse. Bon. J'ai raté des trucs. Hein. Bon, maintenant il va falloir ranger après dans la scrap room, mais il va y avoir du boulot parce que j'ai un grand meuble Alex. Alors, et un autre plus petit. Nous avons ça, donc avec Paris. Ah oui, bah. Donc un truc à Paris et là une languette, ça est aimanté. Oh, c'est une boîte en fait. Ouais. C'est aimanté de partout. On va mettre un seau là-bas. Pas le verre. Faut que j'aille chercher la main. Ils sont coincés. C'est super original comme boîte, ça, Maëva. Tu vois, c'est pas les mêmes. En plus, tu vois, c'est pas même les mêmes. Ah oui. Oh, il y a des mains. Donc nous avons des blanches. À mon avis, il y a des fleurs aimantées. Non, ils sont tous. Non, eux ils sont pas aimantés, mais les rouges ils sont aimantés. Les rouges ils sont aimantés. Maman. D'accord. C'est pour ça qu'ils étaient collés au fond. Et les rouges en fait sont aimantés. Ah, oh, c'est cool ça. C'est super sympa. Je voulais faire un effet. Bon, en fait, t'as les doigts devant, donc. Voilà. Si, celles-là aussi, elles sont aimantées. Ah, là, j'avais pas senti les noms. En fait, ils sont tous aimantés, voilà. On va tous les mettre devant parce qu'après, c'est galère pour aller les chercher. Mais les, toutes les unes sur les autres. Non, non, parce qu'après, ça va pas rentrer. Mais si, ça va rentrer. Bah, merci, Maëva. Ouais, tes fleurs, elles sont super jolies. Hein. On va ouvrir celui qui tourne. C'est un peu le bazar en fait. Là. Là, 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 là. Oups. Comme la dernière fois. Ah ouais. Un bracelet, la dernière fois, on l'a eu en violet. Là, on l'a en jaune. Ça va. Ça va. Vous avez cru que je puais là ou... Oui, tu pues. Tout le savon que j'ai. Bah, c'est bien pour te laver les mains et tout. Un chocobon. Ça va ouvrir une personne. Il y a toujours quelque chose qui la perturbe. Encore? En forme de chaussure. Mais t'as pas vu? C'est Betty Boop. Ah, c'est une chose. Mais oui, tu vois pas qu'elle est lacée? Si, si, si. Elle est belle en fait. C'est peut-être une trousse de toilette? Ouais, c'est une trousse de toilette. Oh, elle est vraiment canon, hein? C'est une trousse, je sais pas, non. Non, c'est une trousse de toilette. Ouais, c'est une trousse de toilette. Ah, c'est trop mignon. Ah, bah, je vais l'utiliser maintenant.
Merci. Oh, je suis trop contente de ma chaussure. Bah, c'est une chaussure. Oui, c'est une chaussure, effectivement. Le bonhomme de neige, c'est de l'autre côté. Elle cherche la colle. Nous avons des boucles d'oreilles violettes. T'en as encore jamais mis. Non, j'ai pas de temps en fait. J'ai changé. Un vernis. Elle a acheté le bac. Et un chocobon qui vient de tomber. Oui, je vais acheter son panier pour ranger tous ses vernis. Maintenant, il n'y a plus qu'un. On va ouvrir celui-là. T'essaye pas de deviner. C'est tout mou. Ah. Les enveloppes. J'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas réussi. Oui. Mais nous, ce sera toujours nous. Ah, Aurore, t'as vu, elle veut toujours pas faire de cartes. Hein. Encore plein d'enveloppes. Ah bah moi, ça va m'être utile. Hein. Pour faire vos réponses au concours. Pas dans ma maison. Merci Aurore. Merci Aurore. Ça va être utile à maman. Pas moi. C'est toujours utile. Oui, c'est toujours utile. Les enveloppes, franchement. Même si c'est pas moi. Utile en fait. Hein. Un chocobon. Et encore des breloques ours. Un transparent rose et un, comme la dernière fois, un dégradé bleu, violet et rose. Merci. Et le cadeau. Peut-être des sequins ou des fleurs. Ou... Je sais pas du tout là. Tu crois comment je sais? C'est une boîte. On ne se fie pas de la boîte. Oui, on fait pas, on ne se fie pas à la boîte. Alors, c'est une boîte qui est remplie. Mais quand je vous dis remplie, de découpe. Et en fait, c'est... Oh! Il y a maman un cochon, maman. Un cochon. T'as vraiment des magnifiques tailles. Hein. Cochon, la fourchette. Franchement. Des tasses. Un carrousel. Il y a de tout. On va le faire de la cuisine, maman. C'est super joli, maman, quoi. Je te dis bon appétit, moi je vais manger. Ah bah voilà. Bah, ça, à mon avis, ça va avec les tasses. Un café, les cochons parce que Léane. Je suis une cochonne. Une cochonne. Il y a des théières. Oui, il y a tout. Oh. Alors là, merci beaucoup, Aurore. Merci. Effectivement, il ne faut pas se fier à la boîte. Voilà. Si là, je ne pouvais pas deviner. Hein. Non, tu ne pouvais pas deviner. Je te l'accorde. Marie. Non. Perlet du Limousin. Je ne sais pas ce que j'allais dire. J'allais dire Marie-Noël. Marie-Noël, non. Non, là. Un caramel. Tu veux pas s'enlever. Un caramel. En une journée, lorsqu'on est allé au marché de Noël à Metz, Léa a réalisé plein de tes défis. Hein. Trois. Un tour de manège, boire un chocolat chaud, et l'autre c'est faire un petit tour au marché de Noël, voilà. Donc on a fait un tour de grande roue. Ouais, il était trop bien, j'ai négocié. Sinon on m'a dit, tu vas aller faire le petit carrousel là-bas pour enfants. Elle a pas voulu la peste. Bah il y a une roue, donc je vais faire la roue. Ça aurait été marrant hein, de la prendre en photo sur un manège pour bébé. Lire. Des contes. Contes de Noël. On dirait une histoire de Noël. Je crois que j'ai bien une histoire, soit Saint-Nicolas, soit de Noël. Non, tu as le livre La véritable histoire de Saint-Nicolas. Oui, j'ai aussi un livre de Noël. Ah bah, tu me raconteras l'histoire. Ce soir, là.
Ouais, je suis fatiguée, comme ça après je vous cherche. Parce que demain je vais chez papy et tout là. Demain je vais à l'école en fait. Oui, demain toi tu vas à l'école. Oh, j'espère. Et moi je pars tôt le matin. Tu pars en même temps que moi? Non, un peu plus tard. Tu peux m'emmener au collège? Non. Pourquoi? Allez, bah merci beaucoup les filles pour les Yann, hein. Vous l'avez trop gâté encore. Merci. Encore et encore. À moi. Alors, je commence par... Pardon. Johanna. Je prends mon bubble tea. En fait, de base, elle avait un jus. Mais j'ai tout bu. Il restait plus que les billes. C'était dur, donc j'ai bu de l'eau. Oh. Tu vas pouvoir faire une carte à mamie. C'est écrit Merry Christmas et c'est des hiboux. C'est une magnifique planche à tampons avec des X. Parce qu'aux États-Unis, ils mettent des fois, au lieu de mettre Christmas, ils mettent Xmas. Voilà. Aux États-Unis. Ben oui, mais c'est en anglais, vu que c'est écrit Merry. En tout cas, c'est super joli. Et là, colorisé, Léane, tu vas pouvoir vraiment faire une belle carte à mamie. Ça, c'est cool. Alors, je vais ouvrir. Alors là, de Céline. Mais c'est quoi, à ton avis? Elle n'arrive pas à attraper les bulles. Une étoile. Un Noël merveilleux ensemble. Oh, c'est magnifique. Dis donc, c'est une magnifique déco à accrocher. Chapeau Céline, c'est super joli. Merci du fond du cœur. Donc là, hop, il y a un petit ours, des petites décos, un gros nœud au milieu, le sentiment. Oh, c'est magnifique. Puis ce bleu là, il est très joli. Merci beaucoup. Alors ensuite, je vais ouvrir celui de Stéphanie. Alors, nous sommes le 20. Une gourmandise. Oh, je fais le cochon. Il y a un truc coincé dans la paille. Là. Du ruban. Du ruban. Du cochon. C'est juste qu'il y a un truc coincé dans la paille. Yeah! Alors ça, tous les ans je les rachète ces rubans parce que c'est quand même des, enfin je les utilise mais en fait assez régulier. Le blanc on ne l'utilise pas que à Noël en fait, c'est un beau blanc paillette. Et j'ai le rouge, alors le rouge bon, je l'utilise plus à Noël celui-là que tout le long de l'année. Mais franchement merci beaucoup Stéphanie, ils vont aller dans mon futur meuble Alex quand il sera monté. Noël. Mais je suis obligée d'attendre Noël. Mon mari m'a dit, tu sais, comme ça, t'as pas le droit. Comme nous. T'as pas le droit avant. Voilà. Donc en fait, j'ai les cartons, mais j'ai pas le droit de. Comme nous. J'ai pas le droit de le monter. Et puis en même temps, j'aurais pas eu le temps de ranger en dedans. Hein. Là. Alors, le 20 de la part de Aurore. Bah, si j'ouvre ta maison. Ça va pas aller, hein. On va juste être vide. Oh là 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 là, je suis fatiguée là. Alors. Après, j'irai te raconter une histoire. Ah ouais. Avec un massage de pied. Il n'y a pas écrit ça. Ah si, j'ai. Toi, tu devrais faire un massage. Ah, j'en ai déjà fait plein. Alors, j'ai un. Après. Chocobon. Comme d'habitude. Et j'ai. Ils sont superbes ces strass. Tu peux les montrer, s'il te plaît? Oh, oh, oh. Ils sont magnifiques, beaux verts. J'avais hein. Vu que c'est une feignante. Mais non. Si. Merci, Aurore. Et puis, elle a un cadre, elle a un cadre. Je peux l'ouvrir. Donc là, évidemment, on se doute que c'est un cadre. Mais quel thème! Oh, j'adore.
la fée Clochette. Oh, merci beaucoup, Aurore. C'est... Moi, je passe ton cadeau. Évidemment, la fée Clochette, bah, comme je vous le dis souvent, bah, là, elle est cachée bien au chaud, là, mais elle est tatouée sur mon bras. Par contre, elle boude. Ouais, elle boude. Mais c'est magnifique. Merci du fond du cœur. Puis je sais comme c'est long hein, de faire... Encore là, ça va, c'est beaucoup de couleurs qui... Oui, en fait, il y a plein de couleurs. Donc, en fait, on change souvent. Et ça, c'est moins répétitif que, par exemple, mon cadre derrière. Bon, il est énorme, hein. Mais, comment dire, le vert, je n'en pouvais plus. L'herbe et le feuillage et tout ça, là. Oh, c'était saoulant. J'avais l'impression de ne pas avancer, en fait, vous voyez. Le fait de faire toutes les couleurs, là, même qu'à un moment donné, j'ai dit, hop, j'arrête, je vais au milieu un petit peu pour changer. J'essayais parce que sinon, c'était trop... À un moment, elle a fait ma robe parce qu'elle a dit, oh, du rose. Ouais, voilà, il fallait changer. Il fallait changer de couleur. Après, à un moment, elle faisait que du noir. Elle a fait, oh, elle a fait, ok, je vais faire ta robe, elle est rose. Après, elle a fini ma robe, elle fait, je fais quoi? Elle a fait le blanc des chemises. Après, bah, elle a dû attaquer l'herbe. Bah ouais, j'étais obligée parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que c'était assez saoulant, assez répétitif. Que là encore, ça va, c'est beaucoup de fois, en fait, l'endroit a la même couleur, ce que je veux dire. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à toutes de nous avoir autant gâtées. C'est vraiment magnifique. On vous fait d'énormes gros bisous. On vous souhaite une excellente soirée. Et on vous dit à demain. Bisous. Salut.